strale. A me di San Petrone e a nimun face male. Di saluta a tutti per me più con tesoro. Quando su menguli frutti degli sempre mi innamoro. Ecco io questi frutti per l'amico concessa. A me non sei sbagliata e tenera sopprumessa. Su e tu con ogni cantata stasera sia l'istessa. Piazza le scenario a quelli che so appresso e a tutti scenario chi lo verso è concesso per gli sciacamane radio che erano lo successo. Bonsoir ou rebonsoir. L'ensemble manigalesque a composé de Cathy Garziani, Andrea Antoniotti et Anise Aralde. Nous allons commencer par le madrigal et Cobel, puisqu'il était convenu que ce madrigal serait par l'ensemble des groupes qui vont se succéder, tel que Cathy le pratique depuis longtemps, puisque Cathy est originaire de Taille, au Isolage de Tavagne, et donc c'est le madrigal est tel que elle l'a appris de ses anciens. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'effectivement dans l'ensemble madrigalesque nous l'avions expérimenté à voix seule en explorant le territoire de la terre, de la voix soprane je dirais, et là il est interprété à deux voix, Cathy et Andrea. Ensuite nous continuerons avec une batate, c'est une lamentation, une complainte qui a été... Le texte est écrit par un poète du sud de l'île avec justement ce régiolecte particulier, avec la double dentale, les pluriels en a, ce qui laisse entendre que nous sommes avec les pluriels latins, notes. Voilà, les particularités dialectales telles que, qui font la richesse de cette langue. Et puis nous continuerons avec troisième chant, le seul chant épique que nous ayons dans notre répertoire, dont je vous dirai peut-être quelques mots avant de... Thank you.
parlait donc de ce chant épique long de 35 strophes qui raconte la tragédie de cette galère qui était partie de Barcelone sous la conduite de l'amiral Andrea Doria, commandant la flotte, pour rejoindre Bonifacio, qui était assiégé par le roi de France, Henri III. C'était en 1550, je crois bien. Donc, elles partirent de Barcelone et la première étape était de rejoindre Calvi, où là, la flotte vient écouter la messe à la cathédrale de Calvi. Calvi étant citadelle génoise et Bonifacio l'étant aussi. Mais Bonifacio était assiégé par le roi de France, donc cette flotte allait libérer Bonifacio. Et donc, après avoir entendu la messe à Calvi, les sept galères partent rejoindre Bonifacio par la côte orientale. Donc elles contournent le Cap Corse, mais dans le cours du voyage, le vent, le livège se lève et les sept galères seront fracassées sur les îlots de la Giraille. C'est une très belle. En quelque sorte, voilà, c'est un récit, c'est une narration sur cette tragédie qui a été, dont les paroles ont été retrouvées dans le Biosagne par Nando Aquavi, dont je parlais précédemment, dans le Biosagne auprès d'une famille qui avait conservé ce manuscrit. Austin de Croz, qui était un jeune appelé à la fin du XIXe siècle, avait transcrit, avec l'aide d'ailleurs de Ravel, avait transcrit la mélodie qu'il avait recueillie à Bastia. Mais il n'avait consigné là que quelques strophes. Et donc nous avons retrouvé ces 35 strophes. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les 35 que nous allons chanter ce soir. Voilà. Mais c'est égal. Thank you.
Sempre.